Good morning, allez-y, Daniel, ce sera aujourd'hui le Lunishmat Abraham, Mordechai Ben Yitzhak, Bethany. Si vous souhaitez vous aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez 7 minutes éternelles. Nous étudions ma Sechet Yevamot, Père Gimel, Mishnah Aleph. Arba, Achin, Shnaime, Nesuin, Shnaim, Achayot, Vametua, Nesuin, Meta, Achayot, Are, Elu, Cholzot, Velo, Mitia, Bemot, Vem Kadmo, Vekansu, Yotsiu, Rabbi Eliezer, Omer, Bet Shamay, Omrim, Yekaimu, Bet Ilel, Omrim, Yotsiu. Bon, on revient enfin sur le sujet de Yevamot qu'on a un peu quitté dans les 3-4 dernières Mishnayot. Et à présent, avec les cas des vrais cas de Yiboum, avec des cas de proximité qui vont interdire les femmes. Pour le moment, le cas il est simple. On parle qu'il y a Arba Achim, il y a 4 frères. Shnei Mehem, Nesuin, Shtei Achayot. Deux d'entre eux sont mariés à deux frères, à deux sœurs. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Quand Lévi et Yehuda, ils sont tous les deux mariés à deux sœurs, Rachel et Léa. Mais ce qui se passe, c'est que quoi? Ou Metua Nesuina Achayot, manque de peau. Lévi et Yehuda, ils étaient ensemble, accident de voiture, Baruch Dayan Ahemet, ils sont partis. On a maintenant les deux sœurs, Rachel et Léa, qui tombent en Yiboum, qui sont maintenant préposées au Yiboum, devant Réhouven et Shimon. Quel est le problème, vous allez me dire? Quel est le problème? Les deux premiers étaient mariés à deux sœurs, les deux nouveaux, ils vont se marier aussi aux deux sœurs? Non, pas du tout. Là, ça devient très compliqué, il y a un vrai problème. Parce que vous savez quoi? Quand il s'avère que maintenant, on va prendre le cas Réhouven, il se retrouve maintenant avec deux femmes qui sont toutes les deux en Yiboum devant lui. Une femme qui est préposée au Yiboum, elle est considérée comme étant à moitié sa femme. C'est pas vraiment sa femme, c'est un statut très compliqué dans Maseret Yevamot quand on étudie, dans la Gemara surtout, de définir dans quel cas Yesh Zika ou Enzika. Une femme qui est zkouka le Yiboum, une femme qui est préposée au Yiboum, elle est considérée comme à moitié sa femme. Pour plusieurs halakhot, ils entretiennent un rapport assez original pour le moment. C'est pas sa femme, mais elle, elle ne peut pas se marier avec nulle personne d'autre à cause de lui, à cause du Yabam. C'est considéré comme un peu sa femme, comme si que le frère il va continuer le mariage de sa femme, de son frère. Son frère, il a marié une femme, elle n'a pas été libérée, elle est restée dans la famille. Elle appartient encore à la famille, sans être définie encore, parce qu'ils n'ont pas encore eu de rapport, mais c'est à moitié sa femme, ça s'appelle Yesh Zika. Et justement, parce qu'il y a cette Zika-là, par exemple, un cas simple, si j'ai une femme qui est en Yiboum devant moi, qui attend que je lui fasse le Yiboum, je ne peux pas partir me marier avec sa sœur non plus. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est un peu ma femme. Si c'est un peu ma femme, alors sa sœur, c'est un peu ma belle-sœur. Et je n'ai pas le droit de me marier avec ma belle-sœur. Ça s'appelle que Yesh Zika. Vous avez compris le principe? C'est ce qui arrive ici maintenant, avec les quatre frères. Maintenant, on va prendre Réhouven. Surtout maintenant avec deux femmes qui tombent de deux origines différentes en Yiboum. Chacune indépendamment, c'était parfait. Si les frères n'étaient pas morts dans un accident de voiture, mais ils étaient morts avec 2 jours d'intervalle, ouais, avec un peu d'intervalle entre les deux, on aurait dit au premier, marie-toi avec une, et l'autre, le deuxième, il se mariera avec elle. Mais là, elles arrivent toutes les deux en même temps en Yiboum. Et il s'avère que maintenant, le premier, il a eu, toutes les deux qui ont Yiboum, il s'avère qu'il a réussi à être marié avec deux sœurs, en fait. Il a un demi-mariage avec deux sœurs. La première, Rachel, c'est sa Yevama, donc sa femme à moitié. Donc sa sœur, elle lui a interdite. Il ne peut pas se marier avec Léa. Léa, c'est aussi sa Yevama, donc ça veut dire que sa sœur, Rachel, elle est aussi à moitié interdite. Il peut se marier ni avec Rachel ni avec Léa. Idem pour Shimon. Situation bloquée, il n'y a plus rien à faire. Ils devront faire que Arelu Cholzot, Velo Mitiabomot. Elles devront nécessairement faire la Khalitsa. Ouais, se séparer avec Khalitsa en jetant la chaussure, en crachant, comme ça on découvrira plus longuement, mais ils pourront pas faire le Yiboum. Et pire que ça, supposons que maintenant ils ont pris les choses à la légère, ils ont dit, bon, ça va, finalement, il y a quelque chose de simple à faire. C'est qu'on ferme les yeux pendant 10 minutes, ils rentrent tous les deux chacun dans sa chambre. Réhouven avec Rachel, Shimon avec Léa, et puis après coup, il s'avère que maintenant, Rachel s'est devenue la femme de Réhouven, et Shimon s'est devenue la femme de Léa, et puis finalement, c'est plus à Zkouka. Puisque c'est l'autre frère qui a tiré la Zika chez lui, chacun il a pris la. Ben non, malgré tout, on leur interdit de faire ça. Ça contredit un petit peu la mission un peu d'en haut, mais j'ai pas envie de rallonger trop, sinon ça fait trop long dans le coup. Mais le principe en tout cas il est simple, il est que, puisque tu n'avais pas le droit de faire le Yiboum, il y a une règle. Quand il y a une femme qui tombe en Yiboum devant moi, si depuis le premier instant où elle tombe en Yiboum, j'ai un empêchement de faire le Yiboum avec elle, un empêchement profond. Techniquement, c'est pas possible de la réaliser parce que pour le moment, j'ai un certain lien de parenté avec elle. Par exemple, ouais, j'ai un lien de parenté avec elle. Eh bien, si après coup,
cette cause va être supprimée, la femme reste interdite. Le hiboum, je peux faire le hiboum avec une femme que si depuis le moment où elle devient yevama devant moi, j'ai déjà, en théorie, le droit d'aller avec elle. Si j'ai pas le droit parce qu'elle est nida, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais si je passe à un lien de parenté, j'ai un certain lien de parenté avec elle qui fait que maintenant, pour le moment, je ne peux pas aller avec elle. Je ne peux pas marier avec elle. Mais qu'après, ce lien de parenté va s'annuler pour X ou Y raison, je ne peux plus, malgré tout, puisqu'au moment où elle vient devant moi, j'ai plus le droit. J'ai plus le droit de faire le hiboum, même si la cause s'annule. C'est le principe qui se passe ici, en fait. Quand Reuven, finalement, il va se marier avec Rachel, il s'avère que maintenant, Rachel, elle est plus kouka à Shimon. Shimon, en théorie, il pourrait, dans ce cas-là, faire le hiboum à Léa, lui. Le premier Reuven, il n'avait pas le droit de commencer, mais une fois que Reuven, il a fait ce qu'il a fait, Shimon, il a le droit de continuer, lui. Et pire que ça, même après coup. Quand Shimon, il va prendre Léa, il va s'avérer que maintenant, Léa, elle était même plus kouka à Reuven, donc finalement, chacun. Mais puisque au moment où elles sont tombées devant lui, il n'avait pas le droit de faire le hiboum, elle reste interdite pour l'éternité, on est nécessairement faire la khalitza, et s'ils se sont mariés avec elle, ils devront les divorcer. D'accord, ils devront les divorcer. Maintenant, autre, mais la Michel continue en disant, non, il y a une marque dans l'été. Rabbi Eliezer, Omer, Rabbi Eliezer, il me dit, Bet Shammai Omrim et Kaimu, Bet Shammai, ils vont dire qu'il y ait Kaimu, et Bet Hillel Omrim, Yotziyu, Bet Shammai, ils pensent que, non, si après coup, ils ont transgressé, mais que chacun, il a pris une femme, réellement, Bet Shammai, il va permettre de rester avec elle. Parce qu'après coup, chacun il aura tiré la zika chez lui. Il s'avère que maintenant, quand Reuven s'est marié avec Rachel, il s'avère que maintenant, Rachel, elle était potentiellement mariée à Reuven et Shimon, en demi. D'accord, elle était Yevama pour les deux. Dès que Reuven il a pris en Yiboum, alors maintenant c'est devenu sa Yevama que à lui et pas au premier. Idem quand Shimon il a pris Léa. Après coup, ils ont réussi. C'était une situation, en théorie, qu'on ne pouvait pas démêler, et ils ont réussi à la démêler malgré tout. Ça, c'est la vie de Bet Shammai, tandis que Bet Hillel Omrim, Yotziyu, tandis que Bet Hillel, ils pensent effectivement que Yotziyu, qu'ils devront nécessairement les divorcer, parce que, comme on a expliqué, que Ohil Venesra Sha'achat, au moment où elles sont tombées en Yiboum, au premier instant, elles ont été interdites, elles pourront plus, on ne pourra plus lever la permission. Il y a, faut savoir quand même qu'il y a une marque-loquette. Est-ce qu'il ne faut pas inverser dans Bet Shammai, Bet Shammai et Bet Hillel les inverser, et si toutefois il faut les inverser, que la lachal serait peut-être fixée comme Bet Hillel, et donc on aurait le droit de faire le Yiboum. Ça parle très longuement, il y a un très bon tout ça, mais pour notre sujet, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la tzalakha, kol tov, salam.